Exactement, c'est quoi moi Gus, bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière suivie avec l'équipe Team Macam Pro, l'équipe Team Aeroflot. Nous sommes le 9 mai 2017 et c'est le Giro Italia, le Tour d'Italie, oui. Alors, certains ont vu d'autres choses, hein. Le Tour de Turquie, le Tour de Romandie en live hier, car oui, samedi dimanche, hein. Je tourne dimanche pour lundi, c'est logique. Donc voilà le live de samedi, pas mal, hein. Il y a pas mal de personnes et tout, ça a bien parlé, il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses qui ont été dites et tout. Très sympa en tout cas, c'était très plaisant. J'espère que la prochaine fois il y aura encore plus de monde, plus de choses, plus de trucs sympas. Voilà le Giro. Giro, donc, oui, comme je vous expliquais la dernière fois, il y aura trois étapes, hein. Une, deux et trois. Je m'arrête à chaque jour de repos, donc du coup, voilà. Là, il y aura 9 étapes pour la première, 6 et 6, 9, 15, 21. Voilà, le Giro. Alors, qui va m'accompagner sur le Giro? Jérémy Roy, Lindemann, Mullen, Zilioli, Fellini, Chaneski, Belkov, Mentiès, King. Mon leader, bien sûr, c'est Mentiès. Bien entendu, Mentiès, c'est lui le gros leader. Il sera accompagné par Chaneski et Zilioli et les autres, mais ils seront là pour rouler, pour aider tout ça. En sprint, bien sûr, Fabio Fellini. Et puis après les baroudeurs, bah voilà, il y en a quand même pas mal de baroudeurs dans l'équipe, hein, avec King et tout, Belkov et tout. Donc voilà, on a quoi faire, franchement, chose sympa sur ce tour. Avec Lindemann aussi, hein, son 17 baroudeur, donc excellent. Il a quel âge lui? 27 ans déjà, le jeune là, enfin le jeune, n'importe quoi, le coureur. Néerlandais, voilà en tout cas, donc c'est parti. Donc ça se passe en Grèce au début. Un petit coucou grec, s'il nous regarde. Donc ça fout de nous regarder, mais il me regarde, mais tant mieux. Voilà, donc l'équipe, sur ce, rendez-vous sur les routes non pas italiennes pour ce début du Giro, mais grec, vous ne verrez pas la première étape car c'est un contre-la-montre par équipe et j'ai décidé de ne pas jouer contre-la-montre par équipe, vous le savez. Donc maintenant, on se retrouve sur la deuxième étape du Giro. Donc en fait, il n'y aura que 8 étapes et non pas 9. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Le shérif Il m'a dit reste de vous 16 remettre bornes ça. dans cette Ah, deuxième d'accord, étape merci du Tour madame. d'Italie. Merci. Et vous le voyez, Donc, je vais Belkov est déplacer mon en bureau où rose, j'ai et oui, quelques nous avons papiers à gagné lui pour la faire première signer. fois. Oh, Le contre-la-montre par équipe, en même temps, alors, on a je vraiment une rate très tout très ce belle équipe, hein, passage. donc le chrono. Là, là et là. Donc du coup, Ouais. bah, ça fait plaisir. En voilà Belkov en déjà plus qui une. est Ça me leader, fait c'est la même cool. impression que si j'étais une voiture. 13 bornes, Et des Rein papiers. Mullen qui est devant, qui va augmenter encore l'effort. On ne peut pas faire Merci, de monsieur train pour Anderson. l'instant car, bah oui, Ah, voici la forcément, nous carte sommes d'une il y a encore un entreprise de col pompes là donc. funèbres. Le cimetière à la On fera portée de le tous, train c'est à, leur pour, devise. alors qu'on se Il prend un faut des gros prix pour les mur ici. cercueils et même pour leur On fera le placement. train Ça après, on coûte n'a moins pas le cher choix, dans bah vos oui, on n'a pas le salaires. choix. Oh, notre oncle Donc on va adore attendre mettre à sa tranquillement, sécurité. sagement, Alors tout est pour le mieux. la fin de C'est la le bonheur à montée, bas la prix. descente, Et voici le voilà. double du Il reste certificat trois de bornes, décès on de pourra faire monsieur le train Charles après. Anderson. Je dirai aux pompes Un petit peu funèbres chiant de bien d'ailleurs faire ça, mais le bon, corps. c'est voilà, Est-ce c'est que pas vous grave, mais voulez c'est un des petit peu, ouais, fleurs? si, c'est un petit peu casse-cou quand Non, même, je trouve. merci, mais mon oncle était Allez, on allergique aux pourrait être bien fleurs, emmené alors là, s'il le ça fallait, sympa, par pas King sympa. avec son plus 5. Eh ben, on On va presque dirait que même vous êtes tenter pas cher l'attaque parti, de hein. King, on aura quand Je même misé perds sur vous. Fellini, hein, Oui, parce que nous devons régler non, tous King il est pas les super en détails forme en des plus là. funérailles. Parce qu'en 9 bornes après. Et juste après Allez, votre départ, Mullen. j'ai eu un coup de téléphone du Qui a marqué les shérif points de la montagne Frodeter Drive, lui assez aussi, c'est prolifique. parfait. Bien Son joué mon petit adjoint lui Mullen. a ramené un relais Maintenant on pour peut l'année suivre. dernière. Il Voilà, semble qu'il King qui soit va bon. suivre Et ait trouvé Zilioli. un portefeuille plutôt luxueux contenant Et c'est tout, 200 voilà. dollars. Un portefeuille. Ouais, c'est tout. Ouais, si. Et la Mentiès qui cerise va sur la voie suivre ferrée du côté de Fellini quand même au Lockerbie, cas où. Voilà, juste pour dire que si juste jamais une petite après cassure, l'accident, si jamais. c'est celui de Mortimer Nous sommes à Bascom. 5 km de l'arrivée. On le sait grâce au Voilà, permis de t'es où Fellini? conduire et à Fellini la était là. flopée de cartes de crédit qu'il Voilà, contenait. ça roule à fond là. Et il y a quelque Ça roule chose de fort, très bizarre dans tout fort. Allez, ça. King. Si le type qui a été tué est mort King qui Bascom, va emmener Zilioli. Vas-y, Zilioli, comment n'importe se qui va emmener fait-il qu'on ait Fellini. trouvé Allez, les c'est parti. affaires de votre oncle éparpillées au même Le petit plus endroit? 5 qui peut faire, qui peut être bien, le petit plus 5 Si vous là. voulez bien vous tourner, Ouais, bah, pour l'instant il se précipite s'il pas du vous tout, mon plaît. petit King. Waouh! Ah ouais, d'accord. King, Chérie, ah bah c'est qu'est-ce que l'accélère tu crois enfin. qu'ils vont nous faire maintenant? J'ai le droit d'appeler un Allez, avocat. maintenant Et un Fellini. problème, il n'y en a pas en ville. Comment ça? C'est parti. Allez, Et Fabio! Marc Mahoney. Allez, Ah allez, oui, allez, vous tu pouvez peux le faire, me tu peux le l'appeler faire, tu si peux le vous faire, tu peux voulez, le faire. Allez, mais allez, 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 devriez allez, y allez! réfléchir, il vous aime pas beaucoup. Allez! Ah non, ça va être dur, ça va être dur, non, non. C'est un coup monté, shérif. Je vous demande Victoire de de croire. Caleb De encore croire, lui. est-ce que je vous mentirais? Fellini qui Ça, fait c'est une bonne deux. question. Bon, Bah, c'est pas c'est vrai, super. quoi. Ma parole vaut quand même davantage que celle d'un Et les autres, bon, ils minable sont voleur tous de là, donc portefeuille. voilà, Jérémy Roy Voici le menu ce ici, soir. Votre Rein petit porc aux Mullen pommes de et terre fleuries Belkov, le et une leader. jambe En même temps, le caramel leader au qui se fait dessert. décrocher, c'est n'importe quoi. C'est Et pas grave. attendez, ne partez pas. Shérif!
Laissez-moi Bon, en tout cas, voilà. Victoire de Caleb Ewan. Féliné Coquart, 3ème. Bien joué. Victoire pour l'équipe Vittel. Oui, je ne sais plus c'est quelle équipe, mais c'est l'équipe Vittel. Voilà. Salut. Classement général, le fameux Féliné qui prend le maillot rose de leader devant Mullen, Mentiès, King, Tulisianski, Roy, Cole Brelli, bien sûr. Nibali, 9ème à 35 secondes. Landa est là, vous avez vu après. Trop malin, peut-être. En tout cas. Hop. Je suis pas tranquille. Et hop. Relax, mon vieux, enfin, je vais pas te manger. Mergen, Rain, Mullen, bien joué. Allez, salut. Franck. Par équipe, la team marque un pro, bien entendu. C'est le Capone. Oui, c'est pareil. Voilà, la Gazette de l'Eurosport, bien sûr. Qui nous dit que, bah oui, Ewan était le plus rapide, et en effet, c'est vrai. Et tu dis, non, il n'y a plus d'abandon, il n'y a plus d'ordre, heureusement. Hop. Voilà, mais rendez-vous maintenant sur la troisième étape du Tour d'Italie. Je vous dis à tout de suite. 17 km de l'arrivée de cette troisième étape du Tour d'Italie, toujours en Grèce actuellement. Ici, Paul Abbott, passez-moi la joie au maintien de l'ordre. Bon, bah, pourquoi pas, après tout. Laissez tomber, vous n'êtes pas la première. Donc voilà, King, Mellon, Chaneski, Féliné et Mentiès qui va suivre King, bien sûr. Jérémy Roy était porté en échappée. On voit qu'il n'a plus aucune chance là actuellement, donc on roule. C'est une manie chez lui. On se fait mal, certes, c'est vrai que du coup là ça fait mal. Un conseil, ça. Repartez d'où vous venez. Mais c'est bon, on va y arriver. Féliné, bon, Vallon, donc aucun souci. Mellon, ça peut encore aller. Il a moins de certes, mais bon, c'est pas grave. Allez, là on va emmener essayer d'attraper un gros train. Le BMC là, casse-toi. Oh, le BMC qui me casse les burnes. Bonjour, Romalais. Je répète, merci, capitaine. De bouger. Frances, Evelyn, oh, allez, on amène. Ça va être Mellon, le temps qu'il va emmener. Pourquoi, sans que personne ne s'y attende, elle vient d'être Mellon qui amène. Liaison avec les services du premier adjoint au maire. Chaneski, plus 4, c'est pour ça qu'il est là. Voilà, j'aime pas trop là, on nous fait chier là. Les BMC nous cassent les couilles là. Putain, allez. Allez, tout le monde va prendre son gel maintenant. Allez, mon petit Mellon. Jamais n'a eu une mauvaise note chez nous ou à l'école de police. Non, c'est Chaneski qui va emmener. Pourquoi ? Bon, allez-y, essayez, mais sur la pointe des pieds. Non, ça, on se fait un petit peu, ouais. C'est pas grave, allez, c'est bon, allez. Chaneski. Roland, je t'en prie, ne me fais pas ça. Allez, Chaneski, qui a une bonne accélération, c'est pour ça que j'ai choisi Chaneski pour. Tellement bonne accélération que Féliné a du mal à suivre. Pas envie. Mais c'est bon, allez, c'est bien amené, c'est bien amené. Chaneski, quand même, super moment bien. Allez, Féliné, maintenant à toi. Un petit peu trop tôt, je pense. Ah, ça va être trop tôt, ça va être trop juste. Ah non, j'ai lancé beaucoup trop tôt le sprint là. J'ai lancé trop tôt. Ah oui, non, mais je le vois, voilà. Dommage, j'ai merdé encore une fois, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Oh, espèce de. Victoire de Bonifazio devant Marc Cavendish, Féliné peut-être 3. Oui, il fait 3ème. Ah non, ouais, j'ai lancé beaucoup trop tôt mon sprint là, mais j'ai merdé un peu dans le sens où. Mullen s'est fatigué beaucoup trop vite. Dommage. Alors que Belkov a du mal, hein. Belkov m'a l'air blessé, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il est blessé, le petit Maxime là. Il est censé être en forme pourtant, mais bon. Bref, victoire de Bonifazio devant Marc Cavendish, Féliné, Van Abeni, Porcef, Caleb Ewan. Victoire pour la team Giant. Féliné prend quelques secondes de bonification, donc c'est toujours sympa. Entrez. Voilà, 7 secondes maintenant d'avance sur Mullen. Est-ce que ça va ? Et sur Gemaroy, 8, puis après, oui, bah, ça change pas, bien sûr. Je me demandais, c'est du sprint hein, pour l'instant, donc ça ne change pas. Jusqu'au bureau, finir le par points, c'est Féliné. Bien joué, Fabio. Question de la montagne, c'est Mullen. C'est d'accord. Le meilleur jeune, Mullen, devant Mentiès. Par équipe, la team Akam Pro. Rémoulé, David. Il faut que je m'en bien joué, les gars. Voilà, c'était donc la troisième étape du doublé, oui, doublé à Marc Cavendish et Bonifazio, doublé de la Giant, ça va. La Tinkoff aussi, qui fait un beau petit doublé ici. Mais c'était en 4ème étape, rendez-vous tout de suite sur la 4ème étape du vallon, bien sympa, avec une arrivée au sommet, mais bon, c'est du vallon. Hein. Oui. Quoi qu'il en arrive, peut-être juste après la petite descente. Alors, ouais. Bref, 4ème étape du Giro, c'est parti. Options. Allez, à tout de suite. Fini, je 23 km de l'arrivée de cette 4ème étape pour Lecce. Attention aux empreintes. Inspecteur Roland. Et on attendait au bidon, nous, notre équipe. Les mecs sont partis depuis 25 ans au bidon. Ils attendent que ça soit la montée pour revenir en Udonné. C'est génial. Et bah voilà, je l'ai bien dit, regarde, il est là. Avoir besoin d'un avocat, il a attendu que ce soit la montée. Bon, c'est génial. Dû apprendre pour Nibali. Non, c'est Haru que je m'étais dit. Je vais descendre. Non, c'est Nibali que je m'étais dit.
Il est là, Nibali, il est présent, il est Monsieur présent. Descend. Les bidons, mais il n'y a que Zilioli qui nous a eu pour l'instant, mais bon, après ça va descendre, donc je pense que ça devrait être bon. Il y a Sana en tout cas qui part tout seul, tous les trois. Même si c'est présent, mais moins deux, c'est pas génial. Charles qui est là, Féliné qui suit pour l'instant. Ça va, Féliné qui fait le taf pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il est moi au courant. Je ne manquerai pas. Un petit groupe de 9 coureurs qui s'en va là, tiens. Oula. Qu'est-ce que c'est dur pour Kung, un petit Kung résiste, c'est dur pour Féliné, c'est normal, hein. Ce ne sont pas forcément des spécialistes, hein, tous les deux. Allez, qu'on accroche le wagon là, il faudrait absolument l'accrocher. C'est bien, bravo les gars. Bien joué. Mentiès, limite de rupture par contre, Mentiès, hein, là. Ça le chaud. Mais il a aussi la réputation d'être, comment dire, soupoulé. Tiens, esquive de donner les bidons. 14 bandes de l'arrivée. Un petit groupe là avec les Astana, il y a qui dans ce groupe là par exemple, il y a qui, il y a Bardet qui est là, il y a Kenny Lissonde, Arredondo, Thibaut Pinot, et nous sommes là aussi, hein, c'est le principal, nous faisons partie de ce groupe. Mais je me sens encore capable d'aller me chercher une c'est bien Tcherneski, bien joué, de pouvoir protéger, oh là là, cette attaque. Féliné est toujours là en tout cas, ça fait plaisir. Il y a Féliné qui va protéger Féliné. C'est leader, hein, Fabio. Si ta mère, elle apprenne des femmes, elle n'a pas la c'est le leader de l'équipe, c'est normal. Tu pourrais quand même aller la voir un de ces week-ends. Reculer un petit peu là. Encore, quoi, c'est mettait la montée. En tout cas, la compagnie d'un Smith et Wesson de ça va être dur là, parce que vous voyez là-bas, les barres jaunes sont quasiment toutes vides dans mon équipe. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, capitaine? Il y a personne à l'avant, en tout cas, elle s'attaque avec cet acteur peut-être. Allez, j'ai encore 6 mois. Et oui, c'est ça, c'est cet acteur. Forcément. Il semblait décidé à me les gâcher. Il y a tout attaque là, grosse attaque. Ok, à 6 km. C'est pas tout à fait un interrogatoire, disons que c'était au plus pour me. Pour recueillir quelques indices. Appelez ça c'est comme tendu, vous voudrez, c'est tendu tout ça. Là, on va prendre le gel maintenant. De laisser tomber et d'enterrer l'affaire. Allez. Il n'y a ni affaire ni enquête, lieutenant. On va y aller. Elle a 80 des forces, même un peu moins. Ouais, 80 des forces, c'est bon. Coroner, que je sache. Allez les gars, on va suivre Fabio. Même si là, bon. Honnêtement, ça va être dur, hein. C'est compliqué, même très compliqué. Mais on ne sait jamais. Mon devoir est de ça descend après le kilomètre 500, là ça descend. Parce que quelqu'un a tout fait. Donc je me dis pourquoi pas. On va commencer à décrocher Mentiès qui est à l'agonie. Il y a de fortes le moins deux qui fait du mal, et oui. De très fort. C'est comme ça. Pas le choix. Tant pis. Fabio Féliné qui est mort aussi. Voilà, l'équipe qui souffre. Ça ne peut pas être. Mais ce sera forcément qu'on arrive à approcher ce wagon là. Monsieur Roland traite en personne. Elle va quand même sprinter. Même si on peut pas, mais bon, pas grave. Victoire de Geschke devant Boigny, Ewan, Bardet, Lisson, des Mentiès qui perdent beaucoup de temps cette putain d'étape là de merde. Une 30. Maman, c'est la meilleure du monde. Richie Porte, Redondo, Nibali, Pinot, Pozzovo, on n'a rien pu faire. Maintenant, on n'a pas été aidé par les formes du jour, certes, mais tout de même, on n'a rien pu faire. À bien écrire avec Stabilo, ça roulait super fort, super vite. C'était compliqué. Et gaucher. Rechargeable et ça montait pas super fort pourtant, mais là, je sais pas, on a rien pu faire du tout. Mais vite en tout cas pour la Ethix Quickstep de Simon. Qu'est-ce que l'on a ses règles? Non, mais il est préférable de rester proche de chez vous. Là où vous au classement général, Nibali qui prend le maillot devant Aru, Féliné en seconde, Bardet, Janeski, Zakalin, porte Mentiès à 1 minute de Nibali. Déjà 1 minute, attention. Nana, osez tout. Ah, attention, on a fait des stages de reconnaissance, donc pour certaines étapes, donc on devrait avoir une bonne forme sur certaines. Je l'espère en tout cas. Bon, bah, je sais pas si ça va faire bugger l'étape ou pas. J'espère que non, en tout cas, voilà, gage que. Pas d'abandon, toujours tout va bien pour l'instant. Comme s'il y a eu un abandon, je sais plus qui, parce qu'il y avait 197 coureurs, je crois. Nibali en jaune, en rose, en tout cas, il prend le maillot. Bien joué à lui. Rendez-vous maintenant pour la 5e étape. On retourne sur les plats, retourne sur le sprint. Je vous dis à tout de suite. En plus, la livraison que les accusations. Nous sommes en bord de mer, il reste 17 km dans cette 5e étape, excusez-moi, nous avons un baril. Féliné, moins 2, il va suivre Cavendish. Oui, personne ne va faire le reste, personne ne va sprinter, personne ne va faire le train. Aujourd'hui, on suit Cavendish. Alors que Jérémy Roy vient de chuter, aïe, Jérémy Roy. Mentiès, c'est toujours là, c'est bon. Féliné qui suit. Voilà, il a marqué Cavendish, il est là, c'est bon, on a pris sa roue, c'est good. Moins 2 par contre, hein, forcément, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Ah si, c'est pour ça, c'est grave, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on... Ah, Brian Coquard, on va suivre Brian Coquard, tiens. Hop là. On va suivre Brian Coquard, le jeune français.
Ah, ce sacré Bunny. Mais qu'est-ce qu'il va encore avoir? Allez, là, ça accélère d'un coup. Le moins deux est là. Chernesky, Michael Carr, Cavendish, Filiné, là, c'est bon. Cette borne, Menchess est toujours dans le groupe. Ouais, Menchess est toujours là, c'est bon. Lindemann est là encore. Est-ce que c'est la bonne roue ou pas? Je ne sais pas, la roue de Brian Cocard. Elle me sonne pas mal, hein. Allez, on prend le gel. Et Tinkoff qui roule. Ah, Fellini qui en chie déjà là. On le voit. Allez, allez, ça roule super vite là. Ça roule très très vite. 2,500 km, on se prend encore les gens et qu'on a dit, on se prend toujours les gens. Allez, le sprint va être lancé. Brian Cocard qui lance son sprint. Je suis carrément lâché. C'est toujours derrière une porte close, mais ces visites étaient très régulières et avaient lieu chaque début de mois. Ok. Le lendemain de la bon, bah, tant pis. Pas de. Oh là là, oh là là. Oh wow, qu'est-ce qu'ils foutent, mes gars là? Je suis le patron en train de déposer. T'es sérieux là? Ils vont se prendre du temps pour. J'aimerais assez le retrouver sur le. T'es sérieux? C'est n'importe quoi, putain! J'aimerais assister. Victoire de Caleb Ewan! Bien joué, Caleb! Et puis mes gars, ils sont tous à l'arrêt derrière. Oh là là, c'est n'importe quoi là. Profession, mademoiselle Marsh. Putain, on va perdre 1 minute 30 sur cette connerie là! 2 minutes même, mais t'es sérieux? Putain, ce Giro démarre très très mal! Et il m'énerve déjà. Vous tombez bien. Bien joué, Caleb Ewan, en tout cas. Van Abeni, encore une fois, là, deuxième. Bien joué. On prend pas de temps, ça va. Heureusement, Fellini qui est là. Menties, c'est bon, on a pas perdu de temps, mais c'était chaud là. Il n'y a plus de cassure, mais ça aurait pu. Hein. On est arrivé très loin, mais je sais pas ce qui s'est passé. Hein, c'est bizarre. Les gars sont restés en garde de position. Ils étaient quasiment morts. Mais bon, c'est pas. Tout se passe bien, c'est bon. Menties toujours là. C'est le principal. Le Giant qui prend le maillot. Il y avait un message laissé sur le répondeur par un officier de police. Victoire pour la Vittel, de Caleb Ewan, une nouvelle fois. Toujours pas d'abandon, parfait. Nous sommes toujours présents, c'est bon. Mettez-le là, Chernesky là aussi. Filiné, bon, pour l'instant, il est toujours là, mais ça va sauter bientôt. Sixième étape, c'est du sprint encore qui nous attend. Du tout plat pour une fois. Il n'y a aucune bosse, il n'y a rien du tout. Nous ne partirons pas en échappée, je pense. Nous resterons là et on essaiera de marquer un petit point ou deux ici au sprint. Tout dépendra qui aura devant. Voilà, sur ce, la sixième étape, c'est tout de suite le Giro. A tout de suite. Nous nous connaissons depuis plusieurs mois. 10 km de l'arrivée de cette sixième étape du Giro d'Italia. Et oui, je sais, il reste que 10 points, je sais, les gars. Ne me dites pas, je sais, oui, j'ai un petit peu. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Oulala, c'est passé. C'est bon, les gars, vous pouvez suivre, c'est bon. Allez, on accélère. Hop là, c'est bon. Tout le monde est là, c'est parfait. 7 bandes, 6 bandes de l'arrivée seulement maintenant. Alors, on se fait enfermer, Oh là, c'est mauvais ça. On est totalement enfermé là, les gars. Ah bah oui, là, bien joué les gars qui nous cassent notre train, bon enculé, merci. Et du coup, Fellini, bah, va se démarrer tout seul. Monsieur Nizzolo. Vous avez reçu mon message? Vous savez bien que vous n'avez pas envoyé de message. Mais si pourtant. Très chère Carla, s'il vous arrivait un jour de me dire la vérité sans que j'ai besoin de vous l'extorquer, cela bouleverserait les certitudes que j'ai acquises sur la nature de cette. Allez, mon petit Fabio. Non. Bon, on n'y arrive pas à ce début de Giro là, on fait n'importe quoi. Victoire de Cavendish. Bien joué, Mark Cavendish. Ami, le marin. On fait n'importe quoi ce début de Giro, j'ai vraiment du mal à gérer mes sprints là. Mais là on était aussi bien perturbés, hein. On voit les vidéos encore une fois. On a cassé notre train quoi, les mecs ils sont mis entre nous et tout, je crois qu'ils ont réussi à faire ça, mais on peut pas faire ça, ou moi je n'y arrive pas, je sais pas. Mais là ils vont carrément bien. Enfin bref, victoire pour la Giant une nouvelle fois. Alors, bien je marque. Alors ce sera très rapide, j'ai complètement zappé de montrer avant. Nibali, leader, Fellini à 11 secondes. Deuxième donc. Alors, aucun changement, on ira tous ces maillots, voilà, c'est normal. Ça va changer bientôt, hein, car bientôt les premières pentes vont arriver. Première côte. Bonjour Donna. Bien joué Marc Cavendish en tout cas pour cette sixième étape. Y a-t-il eu des. Non, pas de. Non, ça va, pas d'abandon, pas de rebondissement. Bon. Septième étape, là, voici la voie louée, voilà. La première montagne, grosse arrivée au sommet. Et c'est là qu'on va vraiment voir. Sur 118 bornes, en plus, c'est assez court.
On va vraiment voir voilà, qui est en forme, qui ne l'est pas. Est-ce que Métiès sera là ou pas? Nous verrons bien tout ça. Sur ce, je vous retrouve donc pour la 7ème étape. Tout de suite. Allez, hop, hop, hop. Yeah. 22 km de l'arrivée de cette 7ème étape. Grosse montée, vous voyez là, très très grosse montée pour l'arrivée au final. On va devoir déjà avoir un premier classement. Et là, vous voyez, il y a 23 coureurs seulement. Derrière, il y a des coureurs qui sont très très loin, comme Villarmos, c'était 10 minutes par exemple. Les Astana ont tout fait péter, on était parti en échappée avec Tcherneski et Zilouli. Alors, Zilouli dans un premier temps et Tcherneski ensuite, pas les deux en même temps. Mathias a bien suivi hein, le groupe, donc tout va bien, mais c'est vrai que par contre, au niveau des écarts, je ne sais pas comment ça va se passer, car waouh, le sacré écart. Bref, 23 coureurs dans ce groupe, on peut dire qu'on fera partie du top 20 de cette journée. On est content de ce que l'on peut. Zilouli qui va rouler, lui, par contre, voilà, et Tcherneski qui va protéger mon petit Mathias. On dirait bien qu'il s'agit d'un marin. Allez, c'est parti. D'une 20 km, 14 bornes de montée, excusez-moi, 8% de moyenne, hein, c'est du très costaud. Tcherneski, s'il te plaît, protège-moi. Enfin, il parle du paysage. Arrête d'être à droite, des filles à gauche. Et du temps. Et... Ah ouais, des trucs c'est comme Zilouli ça. Qui emmène le train là, un train assez soutenu. Il y a bientôt. Et il a signé. Il y a un petit peu trop soutenu, c'est vrai qu'il est à 80 pour l'instant. Et c'est tout. Bah oui. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste, shérif? Une réponse, Rick. Et ça attaque. Et déjà, ça attaque. Alors que Métiès, qu'est-ce qu'il a maté? Il est pas en forme comme Métiès là. Il a quand même des zéros. Oula, il se fait lâcher. T'es sérieux, t'as 10 bornes de la vie, il se fait lâcher comme ça, le gars. Métiès, t'as 80 montagnes quand même. Wow. Alors certes, aussi quand même, tu sais, endurance, tu sais, bon, partout. Un biscuit couvert d'un délicieux chocolat qui croustille. On n'y résiste pas. Zilouli, bah lui, il va finir tranquillement l'étape. Hein, il va pas trop se cramer sans rien. Voilà, 60. Mettez c'est toujours là, c'est bon. Allez, 10 bornes, ouais, en plus c'est 10 bornes, c'est du costaud tout ça. C'est du costaud, hein. Les 10 derniers kilomètres, ça ne rigole pas. Léa, c'est un qui roule, mais je vois Nibali à l'arrière du peloton. Alors je sais pas si. Enfin, du groupe, hein, c'est pas le peloton, c'est le groupe. Je sais pas ce qui se passe pour lui, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, je ne sais pas. Mais en tout cas, Nibali, voilà, il fait rouler son équipe, mais il n'a pas l'air spécialement au mieux, hein, je trouve. Alors que c'est Adam Yates qui attaque. Elles absorbent deux fois plus que nécessaire. On est toujours plus en forme que moi, Nibali, parce que nous, on s'est lâché là, d'accord. Clairement lâché, c'est génial. Ok, les Asana qui font tout péter là. Ah, les Asana sont forts. Les Asana sont forts, les Sky ont l'air d'en chier un peu. Bon, pas plus que les Aeroflot, vous allez me dire. Flexible. Les Aeroflot, ils en chient carrément, eux. Enfin libre de bouger. Vas-y, essaie de me bloquer ton reculé. C'est réussi. Hop, on va accélérer avec un allure, parce que mine de rien, voilà. Plus que 6 km à parcourir. Allez, mon petit Mentiès, faut revenir là. Ok, Tcherneski, voilà. Après, on me dit non, quoi, mais ils ne te bloquent pas, ils suivent leur trajectoire. Mais oui, mais c'est à gauche de la route, ils arrivent à droite quand j'y vais, quoi, comme par hasard. Les couches d'escoute peuvent rester. Oh, t'es déconné au bout d'un moment. Là. Regardez-le, s'il ne bloque pas, lui. Il était à droite, il me suivait à gauche. Putain, allez, enfin, il m'a pas bloqué, il m'a pas gêné, mais il a essayé. Allez, Mathias, faut t'accrocher là. Le 7 qui est devant, il y a Formolo, Haru, Landa, Nibali, Yates, Bardet, Barguil. Tcherneski, merci à toi Tcherneski, t'as fait le boulot, écoute, hein, t'as fait ce que tu pouvais. Merci à toi. Et maintenant c'est Mentias hein, qui doit faire l'effort tout seul. Au moins essayer de reprendre quelques coureurs quoi, allez. On voit que Nibali là, c'est Nibali là enfin. Je croyais que non, je me suis dit bah non, au final, mais si, au final, il est là. Pas d'inquiétude pour Nibali, il est présent. Allez, nous essayons de revenir. Allez, on accélère ici, là, avec le gel qui va se lancer bientôt. Allez, au moins on reprend quelques places, quoi. Au moins on reprend quelques places. C'est pas mal. Nibali devant, avec Haru. Enfin, les Astana qui vont faire 1, 2 et 3. Non, il y a Mentes qui va les empêcher de faire 1, 2 et 3. On accélère fort, là. Oui, on accélère fort. On profite du gel. Et ben, c'est Haru qui va l'emporter. Haru devant Nibali, Mentiès, Formolo. Oh là là, les Landa qui va faire. Non, oh là là, les mecs, ils sont forts là. 1, 2, 3, 4 Astana dans les 10 premiers. 2 Arkham.
Mentiès, bien revenu. Nibali qui a craqué un peu. Haro a l'air d'être en meilleure forme. Mais je vous l'avais dit hein, qu'il n'était pas super en forme. Nibali était en arrière du peloton. Madame Fletcher nous bon, a ça suffit largement. Voilà, tranquille les deux là. J'ai pas entendu de friture, mais. Mentiès, troisième. Pas mal. Ma femme et moi, on est en vacances ici. Excuse-moi. J'ai faim. 82 montagnes, hein, et lui 82 aussi. Hein. 80 pour Mentiès hein, seulement. Eh ouais. T'as pas de téléphone dans cette pièce. Chrono, par contre, on va prendre cher. En chrono, ça va être dans le salon, et un dans la cuisine, et un autre en haut. Un roux qui l'apporte. Non, bien sûr. Au classement général, Nibali, Mentiès, à 1 minute 16, Bardet, Formolo, Bargui, Czarneski, Elisson, D'Arredondo, Pozzo Vivo, il a encore la vie. Et Fabien Roux qui rentre dans le vous connaissez certainement ma tante Jessica. Oui, elle est gentille. Elle est B1, toujours leader par point. Arou, meilleur grimpeur. Je suppose que vous avez lu ses livres. Oui. Mentiès, meilleur jeune, il restera en blanc. Et par équipe, c'est l'Astana devant la Team Arkham Pro à 11 minutes hein, tout de même. C'est normal. Grosse équipe hein, aussi là. Pourriez-vous me montrer une pièce comme Formolo, il a combien de 80 montagnes Formolo. Waouh, sérieux. Bref, c'était la 7ème étape. Rendez-vous maintenant pour la 8ème étape. On retrouve du sprint. On en est où là dans le truc? On en est. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais vous êtes fou ou quoi? Là voilà, c'est celle-là, ok. Ça, attendez. Et après il y aura celle-ci, ok. Donc plus que deux étapes à jouer pour cette vidéo, première vidéo du Giro Italia. Je vous dis à tout de suite. 16, 17 km même de l'arrivée de cette 8ème étape et avant-dernière étape de la vidéo, je vous le rappelle. Alors, mon petit Jérémy Roy. C'est mon tour d'arrivée, c'est bon, on va se mettre à droite de la route. Oui. Poussez-vous, vous. Oui, merci. Oh, bonne idée, chérie. Okay. Et maintenant, on va rouler, voilà. Maintenant qu'on est bien placé, on peut rouler, c'est bon, tout le monde est là. Chérie, allez, on y croit. Le petit déjeuner. 1 minute 30 d'avance pour l'échapper, mais bon, il reste encore 11 bornes, donc c'est fini pour eux. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va essayer d'amener du lourd. Hein. Jérémy Roy, là, il peut le faire, lui. King aussi, après il y aura Czarneski. Ah, peut-être pas, non plus ça, peut-être pas, non ça rien, attends, il est trop lourd pour l'instant. On va essayer à la hauteur du peloton. Ouais, ça rien, fait, pour l'instant. C'est King maintenant qui va emmener pour finir. Hop, voilà, c'est sous un passé, là. Là, pour finir, pour emmener fort. Là, pas de quoi s'inquiéter. Son cerveau est de nouveau prêt. On va attendre un tout petit peu pour le Czarneski qui va prendre. Czarneski qui va prendre son gel. Fennec qui va prendre maintenant. Allez, vas-y, c'est bon, King. Tu peux envoyer du lourd maintenant. Ok, attendez, hop. Czarneski qui ramène. Bonjour, ici le docteur Hasley. Czarneski qui ramène. Jessica. Elle est échappée, pas allée au bout, finalement. Elle est échappée, n'est pas. Non, c'est vrai, elle n'est pas voilà, reprise, j'ai pas encore. Elle n'est pas reprise, elle n'est pas reprise. Je voulais te parler avant de partir chez le coiffeur. Tu sais, cette ce soir. Allez, Féiné qui va y aller bientôt. Maintenant, Féiné. Tu n'as pas pensé à Donna et Grady. Est-ce allez, que Fabio. Tu pourrais aller voir ce qu'ils deviennent, s'il te plaît. Ah, non. Oh, ah ben, bah, elle est échappée, va aller au bout, bien. Ben voilà. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? Victoire de. On croyait que. Et ben non. Y a-t-il un problème avec le bébé? Absolument aucun. Victoire d'Adam Sokoviak devant Keog, Case, Fortuny, Bar, Zendorf, Kelbe One qui remporte le classement. Et le sprint du peloton. Victoire pour la Trek Factory. Ben voilà, l'échappée était au bout. Je ne croyais pas qu'elle irait au bout. Bien joué. Oui, Le classement général, aucun peut-être, changement, bien entendu. C'est. Czarneski, il est leader de la montagne, si ça change, par contre, avec Czarneski. Prend le maillot de meilleur grimpeur, on le veut, ce meilleur grimpeur, on l'aime bien. On aime avoir des maillots distinctifs, on a le blanc meilleur jeune, on veut le maillot de meilleur grimpeur. Je ne crois pas avoir entendu voilà. Son nom auparavant. Y a-t-il eu des. Non, il n'y a pas eu de problème, tout va bien. Rendez-vous maintenant pour la 9ème et dernière étape de cette vidéo. Avant le jour de repos. Bête aime de vallon avec ici, vous voyez là, plein de petites choses, plein de petits trucs là ici. C'est assez costaud là, il va falloir être bien placé car ça va monter, descendre ici. Ça va être assez violent, je pense. On verra ça. Sur ce, rendez-vous tout de suite pour la 9ème et dernière étape. Je vous dis à tout de suite. 38 km dans cette 9ème et dernière étape de la vidéo. Comme je l'ai dit, étape vallonnée. Bête à vallonner avec, vous voyez, ça monte et descend tout le temps là dans les 40 derniers kilomètres. Féline plus 5, Mentiès 0, Czarneski plus 2.
Ça peut être cool hein, pour la suite là, pour les petites bosses. Fellini a quand même 75 en ballon, hein, c'est quand même pas mal. Il est italien, voilà, il est chez lui, pourquoi pas. Je compte sur faut voir ce que ça va donner. On verra bien. On se croirait sur la train des Bianchi là, avec les routes comme ça ici là. Au revoir. On ne passe pas, on ne passe pas. Allez, Tchernesky, si vous pouvez marquer quelques petits points, c'est pas sympa. Il n'en marquerait pas. Allez, 50 points toujours pour lui. Soulève le départ de votre cher supérieur. Fain et Métiers sont là, Tchernesky toujours là aussi. Nous ne sommes plus que 14, petit groupe là, 14 seulement. Où allez-vous, sœur? Encore 30 bornes à parcourir. Un homme devant, c'est Simon Clark, vous le voyez. J'ai pour mission d'œuvrer à la bonne marche. Oui, Métiers est là, Métiers c'est bon. J'ai peur qu'il soit perdu. Devra y mettre du sien. Enfin, j'ai peur qu'il ne soit plus là, quoi, tout simplement. Vous avez compris ce que je voulais dire. Un peu de retenue, sœur Marie-Myriam. J'ai protégé Féliné, hein, plus 5. La vie monastique exige une grande. Les balines n'est pas. Enfin, c'est pas le plus mauvais des. Mais qu'on va non, loin de là, bien sûr, vous savez très bien. Mais tout de même. Il est un petit peu moins bon, on va dire, légèrement. Il est 78, 79, je crois, 79, je crois, nous on a 80. Oui. Bon. Oui, qui on a 80 avec Mentias, bien sûr, pas avec Féliné. Allez, 24 bornes de l'arrivée. Augustine. 25 pour nous. Encore une petite côte là. Voilà, c'est mon clair que se relève a priori. Les Asanas sont toujours présents. Mais nous aussi, nous sommes là. Dans les 19, là, nous sommes toujours là. Nous sommes en 4 coureurs. Aidez-moi. On vient de découvrir un cadavre sur une aire d'autoroute. Et là, j'ai besoin de lui. Mais la petite bosse là, on va essayer de faire quelque chose. Non, on va rien faire. Ok, attendez, Nibali n'a pas l'air super bien là. On va revenir en arrière un petit peu, voir qu'il est un tout petit peu là, si on peut, si on veut même m'obéir un petit peu. Mélène, lâchez, un petit groupe là seulement, un tout petit groupe de 11, 9 coureurs. Il nous en fait voir. Allez, il va y avoir un peu de plat, les bidons c'est bon, il reste 20 bornes. Sur la messagerie. Bon, je vous l'ai dit qu'il y a un problème. On s'accroche bien là, c'est parfait, les Astana sont là, sont toujours 3, les Movistar sont là. Je ne vois pas Romain Bardet, il doit être derrière, hein, Romain, allez, il est juste derrière Romain Bardet. Il nous a rejoint, c'est bon, il est là. Enfin c'est bon, si on veut. Hein. J'aurais préféré qu'il ne nous rejoigne pas, bien entendu, mais bon. Allez, un peu de plat ici. Moi, qu'est-ce que je dis à la nouvelle révérende? Vous lui dites que je dois me rendre en urgence. Ça roule assez fort, hein, avec les pulsations sont là, les Astana ne rigolent pas. Qui est-ce qui roule? C'est Fabio Aru qui roule, Landa aussi qui roule. Et la petite descente là, après ça va remonter direct. Allez, faut qu'on reste placé les gars. Mentiès m'inquiète, Féliné ça devrait aller, mais Mentiès m'inquiète, hein, pour le classement général, en tout cas c'est le plus important. Féliné c'est forcément pas lui qui va réussir à faire quelque chose dans ce tour, hein, bien sûr, dans ce Giro. Allez, là, il va falloir bien passer pour la montée. Mentiès, Féliné, pas de bloc, c'est bon, on passe. Voilà. Il reste 10 km à parcourir. Sœur Thérèse, déjà. Allez les gars. Sœur Thérèse. Féliné qui fait l'effort, Mentiès arrière. À quoi joues-tu? On a l'impression qu'un troupeau de bisons a traversé ton appartement. On va rester à l'allure à 75, on va rester. Là, je ne bouge pas, moi. Je ne vais pas le bloquer, ne vous inquiétez pas. Tout d'un coup, sans raison, elle a pris son sac et elle est partie. Écoute, Gérard, je ne suis pas venu ici. C'est fini pour Tchernesky. Qu'est-ce que je vais faire? Il va peut-être nous envoyer un petit. Juste un petit. Il n'y a plus de bidon. C'est bon maintenant. Quoi bon sentir bon? Hop. Écoute, Brice est venu. 8 bornes de l'arrivée. Un crime avait eu lieu sur une aire d'autoroute. Donc on a tout petit peu l'effort, Féliné, qui est très bien, forcément le plus inquiet, hein, plus italien comme je dis, donc forcément le bus Nacio. Nibali, il est là, Nibali, juste derrière, on le voit. 19 coureurs encore. Ah, Féliné, t'es en train de bien attaquer maintenant, mais non, ça me paraît trop. On tient tout petit peu ici. Et bien, nous partons à 4. Non, c'est bon, ils sont derrière, 5 coureurs. Donc il reste 6 km à parcourir. Alors là, vous avez la chapelle. Mentiès Féliné. 5 coureurs. Sœur Thérèse de. On va mettre le gel. On va mettre le gel maintenant. Police.
Je voulais dire que la sœur. 50 secondes d'avance sur un groupe de 14 arrière. Il va falloir y aller fort après, hein, pour la prochaine petite montée là, mais ça descend légèrement, ça velonne. C'est magnifique en tout cas, ce coin il est magnifiquement joli. Oui, oui, magnifiquement joli, tout à fait, j'ai envie de dire magnifiquement joli. Magnifiquement joli. Allez, 2 km, il va falloir bien se placer là. Allez, c'est parti. C'est parti, 4. Allez, Féliné. Allez, mon petit Féliné. Allez, Fabio. Mon Dieu, vous vous égarez, mère Geneviève. Prenez votre livre de prière. Non, avant tout, je vais prendre mes bagages. Allez, maintenant, Féliné qui fait l'effort, qui fait le sprint, Féliné. Et c'est la victoire pour Fabio Féliné. Bien joué. Nibali, Arredondo, Mantis, Yetz, Bard a perdu du temps, Land a perdu du temps. Barguil, Slacter, Haru, bien sûr, qui a roulé, qui a perdu beaucoup de temps. Victoire de Fabio Féliné sur le Tour d'Italie, sur le Giro d'Italia. Victoire italienne, victoire de la Team Arkham Pro, yes. Mantis a bien tenu, Mantis reste dans le groupe de 4. On a l'identité de ça. Ah, ça fait plaisir, c'est bien. On a retrouvé son portefeuille. Bien joué, les gars. Ah, et on a aussi trouvé sur les en plus, le temps, voilà. N'empêche, Féliné, bah écoutez, il est après la 9ème étape. Bon, ça, t'es qu'une étape de montagne, hein, c'est évident. Mais il est tout de même là, voilà. Et même ce qu'on voit. Classement général, il est bien. On a aussi récupéré sa bague. Bien joué. Mathias qui reprend. Non, il reprend pas quelques secondes. C'est Nibali au contraire qui reprend quelques secondes avec les bonifications. Oui, 20 ans de passion pour finir. Mais en tout cas, pour cette 9ème étape, je sentais bien l'étape, honnêtement, par rapport au petit ballon et tout ça, là, un peu comme à Liège-Bastogne-Liège. Ouais, je sentais bien. C'est intéressant. Oui. Alors que Belkov, Belkov est toujours dernier. Belkov est hors délai. Je le sens. Puis Belkov, il a pas de peau depuis le début de ce tour. Il est pas bien. Bon, je vais voir les gars d'assaut. On voit la caméra ici, là. Mise sur la maison. Sinon, je vais faire une connerie. Ah, Belkov, il n'est pas bien du tout hein, dans ce début depuis ce début du Giro. Au moins pour me dire. Victoire en tout cas pour la team au flotte ce Tour d'Italie, ce Giro, ça fait du bien au moral. Beaucoup de bien même. Nibali est toujours leader devant Mentes 1.22. 3 minutes Bardet, 4.36 et Barguil, après 4.38-6. Les écarts commencent à se faire. Tchernesky toujours 7ème. Classement par points, c'est Caleb Ewan, toujours leader. Devant Cavendish. Tu n'as que ce mot à la bouche. Meilleur grimpeur, Tchernesky. Voilà, 50 points. Meilleur jeu, mission Mentiès, Adam Yates à 4,54. Tu étouffes ? Tu crois ? Et par équipe, Astana, 10 minutes d'avance sur la Team Arkham Pro. Ah non, il y a trop de femmes. Voilà, voilà, écoutez, c'était la 9ème étape. La première partie en tout cas de ce Giro d'Italia. Belkov, je pense qu'il va être toujours pas hors Belkov, et bien, tant mieux, hein, on va pas le perdre. Hein, mais bon, voilà. Sur ce, rendez-vous la prochaine fois pour la suite du Tour d'Italie. Oh, de la 10e, alors on avait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 15. Bon, ceci dit, le parti et ensuite, bien sûr, il y aura de la 16 à la 21. Sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures sur Pro Cycling Manager 2015 et le Giro d'Italia. Ciao tout le monde et à la prochaine. Bye bye.